Le principe de Pareto, également connu sous le nom de règle des 80-20, stipule que souvent 20% des causes créent environ 80% des résultats, tandis que les autres causes sont responsables du reste. Autrement dit, dans le cadre du développement personnel, 20% de vos efforts produisent 80% de vos résultats. Le principe a été découvert par l'économiste italien Vilfredo Pareto, qui s'est d'abord rendu compte que 20% des causes de poids dans son jardin étaient responsables de 80% de sa récolte, puis que 80% de toutes les terres en Italie étaient détenues par seulement 20% de sa population. Avec le temps, ce principe est devenu une règle empirique précieuse qui permet à notre esprit de comprendre toutes sortes de répartitions complexes, de se concentrer sur l'essentiel et de définir des priorités pour les actions à mener. Les chefs d'entreprise, par exemple, réalisent souvent qu'environ 80% des revenus de leur entreprise proviennent de seulement 20% des clients et savent donc à qui accorder une attention particulière. Les constructeurs, qui constatent que 20% des dangers entraînent 80% des blessures, peuvent prendre des précautions importantes pour éliminer ces risques. Et les développeurs, qui savent que corriger les 20% des bugs les plus signalés permet d'éradiquer 80% des erreurs, peuvent se concentrer sur ces 20% et laisser les autres 80% continuer à importuner les utilisateurs. Aussi utile que soit cette règle, Pareto lui-même a mis en garde contre le fait de s'y fier aveuglément lorsqu'il a dit « Les hommes suivent leurs sentiments et leurs intérêts personnels, mais il leur plaît de s'imaginer qu'ils suivent leur raison. » Ainsi, ils cherchent et trouvent toujours une théorie qui, a posteriori, donne l'apparence que leurs actions sont logiques. Si cette théorie pouvait être démolie scientifiquement, le seul résultat serait qu'une autre théorie la remplacerait, et ce, dans le même but. Que pensez-vous de la règle des 80-20? Où peut-elle être appliquée? Et où avons-nous besoin d'une analyse plus approfondie pour comprendre pleinement ce qui se passe? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Mais attention, 20% des réponses pourraient représenter 80% de la conversation. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, consultez nos autres vidéos, rejoignez-nous sur YouTube ou sur patreon.com/sprouts. Pour plus d'informations, des exercices pédagogiques ou des vidéos sans musique de fond, visitez sproutschools.com. Vidéo publiée sous la licence Creative Commons.